retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3, comme vous pouvez le voir. Encore une vidéo tirée du mode studio. Bref, on s'en bat les couilles. Alors, c'est un gameplay encore sur Black Ops 3. En CDD hardcore, à la Razorback, Hello, Ergo, chargeur rapide, je crois. Ouais, j'ai juste mis ces trois accessoires. Après, Fantôme, Main Leste. Et fonceur. Ouais, j'étais en compagnie de Yanis, Skyder et Inès. Dédicace à eux. Alors dans cette game là au début, je crois que j'arrivais pas trop. J'étais pas trop en série au début. C'est, je crois, plutôt dans la deuxième manche ou fin première, je crois. Enfin bref, je sais plus. Alors j'ai fait une nucléaire, ma quatrième nucléaire. Je crois que ouais. Ouais, au début j'ai commencé à faire une série de 5, 10 je crois, ou... Bref, c'est plutôt vers... Ouais, si je me rappelle bien, c'est plutôt vers... le... Comment ça s'appelle? Le fin de game de la première manche. Et après, bah... Voilà quoi, j'ai commencé à... un petit peu à rusher, un petit peu à temporiser, enfin bref, voilà. Débloquer des haters et tout, hop, c'était le feu. Je vois aussi avec le spécialiste réapparition, je devais faire mes doubles... les doubles pour avoir les spécialistes en or quoi. Après, je crois que c'est tout hein, ce que j'ai à vous dire. Après, en score streak, où est-ce que j'avais? Je crois que j'avais le drone, le fantôme et le hater. Après, après il y a eu le hater et tout. Commencé à faire du spawn kill et tout. Voilà. Après, shoot comme des putes. ouais, ce que je peux dire d'autre. Ah ouais, voilà. Comme un con à la fin. Genre, je crois que pendant la game j'avais tué deux alliés. Genre, un allié la première manche, deux alliés, je sais plus, bref. Et je me rappelle, je crois que j'avais tué Inès et... Je sais plus qui, je crois. Bref. J'avais tué deux alliés en tout cas, puis genre vers la fin. Moi je vois, je suis en brutal et tout, je dis oh, à Yanis, toi, je dis ouais, je suis en brutal, tout ça, je vais commencer à temporiser un peu plus. Et puis là, je dis bon, allez, je vais rusher et tout, on va voir. Et là, je commence à rusher et tout, je commence à rentrer dans la baraque et tout. Et là, je fais quoi? Je vois, tu sais, quand t'es concentré à niquer des mères, toi, t'es pas concentré à regarder tes médailles. Et moi, j'ai regardé vite fait mes médailles, j'ai vu, tu sais, un espèce de symbole, c'est comme nucléaire. Je dis à Yanis, je crois que j'ai peut-être la nucléaire, je sais pas. Bon là au passage qui est dans la gueule d'Ainis. Bref, et ben j'ai commencé à pré-shoot et tout. J'ai dit vas-y Ainis, je crois que j'ai eu la nucléaire et tout, mais je suis pas sûr. Du coup j'essaie de faire un dernier kill pour voir. Et là au moment où je pré-shoot l'ennemi, il y a Yanis qui passe vers la fin, je crois que c'est tout à la fin. Et là je le pré-shoot et là, je me fais exclure. Ouais, là, je dis putain, pourvu que j'ai la nucléaire ou quoi. J'allais péter un cop si j'ai pas la nucléaire. Du coup, direct. Dès que j'ai fini de, comment dire, de finir la game quoi, j'ai fait quoi? J'ai fait allez, on va regarder les médailles. Là je vois 4ème nucléaire, mais j'ai aucune invincible, j'étais deg un peu, parce que 4 nucléaires avec 9 invincibles, c'est chaud. Bref, comme vous pouvez pu voir, je crois que je suis en série 17 ou 16, là, je sais plus. Je crois que je vais me faire péter dans pas longtemps, soit c'est par un allié, soit c'est par... je crois que c'est soit par un ennemi, je sais pas. Je crois que j'ai fait une série de 20 au début, après je me suis fait péter, et après j'ai recommencé une série, et là je fais une claire. Ouais, la série de 20. Bon, après là, je sais pas ce qu'il branlait, lui. Ah là je commençais plus à avoir de balles, je crois que c'est là au moment là où je me suis fait péter, parce que j'ai dit ouais, j'ai plus de balles et tout. Là je ramasse la même coude du mec, j'ai pas ramassé, mais j'ai récupéré des munitions. Après il y avait mon fantôme aussi, donc là j'étais en 32, Skyder était en 27-3, 28-3, après Yanis était en 21-6, Inès était en 17-1, je crois qu'Inès elle est morte en 15 ou je sais plus combien, mais elle a fait une série aussi. En gros nous on a tous fait une série en gros, je crois que Skyder il est mort vers 20, 25 ou 15 je sais plus, Yanis pareil, bref il n'y a eu que moi qui a eu de la chance. Si tu veux.
La chance ça tourne, hein, regarde, le dur à l'ennemi s'est tapé à trip nucléaire, enfin pas à trip nucléaire en une game, hein, mais trip nucléaire en un jour, comme moi j'avais fait. En une journée j'avais tapé 3 nucléaires, bah là, la chance ça allait tourner. Hein. Ton compteur nucléaire il est bloqué, on a la dira et tout, il se foutait de ma gueule, puis bim, 2-3 games après. Là dans la gueule, j'ai mis le nucléaire, j'ai dit tiens Ennis. Alors mon compteur il est bloqué après, il est en train de rager. Là, comme vous pouvez voir, je crois que j'étais en série de. Je sais plus combien, je crois. Bah je suis pas loin de la 25. Je crois que je vais me faire péter là. Je suis pas sûr. Non, ou alors si j'ai fait ma série après mes deux morts. Oh, je sais plus. Je sais plus si j'ai commencé ma série au tout début. Ou si j'ai commencé ma série bah vers la fin. Non, bah non. Non, en fait, non. Ah, je m'en rappelle même plus. Parce que comme là, c'est tiré du mode studio, comme vous pouvez voir, regardez, hop, tiré du mode studio. Voilà. Ouais, si. C'est, en fait, c'est depuis le début que ma série a commencé. Enfin, pas depuis le début, il y a eu les deux morts quand même, mais. Parce que je m'en rappelle, je campais un peu ici. Je disais à Skyder, pète le spawn, comme ça, genre, ça respawn derrière moi, et moi, je peux aller killer et tout, facile. Après. Je crois que c'est deux fois Inès que j'ai tué, je crois. Ouais, vous voyez. Ce que je vous dis, genre, c'est quand vous pétez le spawn en CDD, ce qui est bien, c'est que ça respawn derrière vous, là, ici, là où je suis. Et devant. Bah, juste en face de la baraque, là. Ça respawn ici et tout. Ce qui est bien, c'est ça. En CDD, c'est. Peut-être un mode de merde, parce que, genre. Il y a les réapparitions. Mais non. En fait, c'est le feu, parce que, genre, il y a. Comment ça s'appelle, il y a les spawns fixes, surtout des fois les spawns fixes c'est le feu. Ah là je veux dire Yannis, il y a un mec qui me pré-shoot et tout là. Après Yannis il lui a fait peur à Skyder parce qu'on est chargé. Et je commençais à pré-shoot. En fait c'était un clone, après dès que j'ai vu c'était un clone, du coup je me suis barré. J'ai attendu le vrai. Je crois que c'était là. Je sais plus, attends, faut que je regarde c'est qui que j'ai pété en allié. Je sais plus, c'était. Je crois que c'est deux fois Inès. C'est deux fois Inès, elle a pas de chance. Alors c'est un autre allié, je sais pas. Parce que là pour l'instant j'ai vu qu'un kill allié. Que Inès en headshot, mais après. Ou alors, je sais pas. Mais je crois que c'était Inès qui est passé, qui a trahir le. Skyder, je crois qu'à la fin de game il a terminé en 70 kills ou je sais plus combien. Hater en attente. Oh, je sais plus. En tout cas, il. Bon, là, GG sa quad là. C'est ce qui est bien, regardez. Quand on pète le spawn ici, hop, après shoot dur. Après, voilà. Nucléaire. Voilà. La nucléaire, ouais, en fait, c'est ça, là, je vous disais, genre. Je voyais un peu la nucléaire et tout, je dis ouais, je sais pas si je l'ai, là d'un coup je pré-shoot le mec qui arrive là. Et genre, bah là il s'était fait piquer, non, je crois que c'est juste après. Genre là je vais. Bah là, livre. Et là d'un coup je vois le. Je vais pré-shooter là. Bon. Et voilà. J'ai été exclu. Bref, les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, lâchez un gros pouce bleu, commentez, partagez, abonnez-vous. Allez, salut!